La création de ce spectacle de marionnettes a commencé, pour chaque enfant, par la création de sa marionnette. On s'est occupé dans un premier temps de la fabrication de la tête des marionnettes. Une tête qui corresponde à son utilisateur, qui correspond à son doigt, mais qui correspond aussi à sa personnalité. Il a fallu dans un premier temps creuser la tête de marionnette, soit pour y introduire le doigt, soit pour y fixer un bâton. La tête à peine ébauchée, les premières manipulations commencent avec toute l'attention requise. Toi, tu as si bouché, on ne manipule pas. C'est un travail, manipulateur. Alors, je ne veux pas des bras comme ça. Je ne veux pas des bras comme ça. Je veux des bras comme ça. Bien écartés du corps. D'accord ? Je veux voir deux jolis bras. Déjà, une première rencontre entre chaque enfant et sa marionnette a lieu. Quand une marionnette veut saluer, comment elle va faire? Elle va se baisser, juste la tête. Lorsqu'elle veut se baisser pour attraper quelque chose, elle va se baisser comme ceci. Elle ne va pas se baisser comme ça. On ne va pas baisser tout le bras. On va baisser juste cette partie-là, d'accord? On va baisser la partie. La séance suivante, la création des marionnettes se poursuit. Il s'agit maintenant de recouvrir chaque tête de marionnette de morceaux de papier craft, préalablement déchirés en petits morceaux, et qu'il va falloir en coller un à un avec patience avant de les polir. Certains ont fait cette partie du travail, si ce n'est avec amour, du moins avec application. Après un coup de polissage, de repolissage et de re-repolissage, nous sommes passés à la suite du travail. Il s'agit à présent de donner un nom et une personnalité à sa marionnette. On se creuse la tête, on essaie de faire preuve d'imagination, et l'acte de naissance de la marionnette est signé. La séance suivante est consacrée à la peinture et au choix du tissu.
on découvre des patrons. Et très rapidement, en un tour de main, la marionnette prend vie. On en colle les tissus en laissant faire les spécialistes. Pendant que d'autres préparent les chevelures en laine. Certains ont décidément des démêlés avec ce problème épineux. Et voici le moment de choisir l'expression que l'on veut donner à sa marionnette. Faire des marionnettes, ça demande aussi de s'échauffer, du bout des doigts à la racine des cheveux, sans oublier les bras et les jambes.
ce moment-là seulement, on reprend les manipulations. Et puis on apprend à se présenter. Je voudrais voir des marionnettes qui marchent vraiment. Voyons. Redis-le, Gaspard. Gaspard. Ah bon, c'est bien. Alors, qu'est-ce que tu veux nous dire encore? Est-ce que vous allez venir tous? Oui. Ça. 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 Oui. Pour faire un spectacle. Oui. 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 Bon. Vous allez vous amuser avec vos parents? Oui. Oui. Bonjour, je m'appelle Paz. Bonjour, je m'appelle Tartanfion. Est-ce que tu peux lever? Oh, elle bouge la tête, celle-ci. Vous avez vu? C'est la première qui bouge sa tête. C'est très bien. Je voudrais que tu lèves un peu plus ta main. Voilà. Tu peux nous le redire? Lorsqu'une marionnette parle, elle peut aussi bouger. Comme ça, on sait bien que c'est la marionnette qui parle. On essaie ensuite de faire des petits sketchs. Hé, hey, mais Sachette, tu le lis? D'accord. Il est écrit que quelqu'un a besoin de nous dans la prison des méchants. Et qui c'est? C'est signé. Te retourner vers nous pour parler. On ne comprend pas. Faut être bruse. Des méchants. Ce sont des histoires face au public, en imaginant, parce que vous n'êtes pas encore caché, mais en imaginant que vous serez caché. Ce ne sera pas vous qu'on verra, ce sera votre marionnette. Dès les premières séances jusqu'à pratiquement les dernières répétitions, il a fallu aussi bon nombre de séances d'écriture. Bon, alors vous, là, vous faites partie du groupe d'écriture. Est-ce que vous pourriez nous expliquer qu'est-ce que vous avez fait depuis le départ là, pour écrire ce texte? Et où est-ce que vous en êtes maintenant? Alors, au début, on a fait 5 groupes. On a fait 5 histoires. On a fait 5 histoires. Et on a choisi la meilleure. Maintenant, on est à... On a fini le dialogue. Le texte, le meilleur passage. Bon, et ici dans ce groupe là, qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Qu'est-ce que vous avez fait là aujourd'hui en particulier? Ben, on a choisi quelque chose pour dessiner. On représente une scène. On le dessine. Et après, on doit faire un dessin qui correspond à la phrase. Et qu'est-ce que vous allez faire de ces différents dessins là? On va les mettre dans le journal de l'école quand même. Parallèlement, nous avons fini les décors et construit des grandes marionnettes pour le spectacle.
qu'est-ce que c'est Saint-Baptiste? Oui, mais qui c'est? Un des moines. Et c'est toi qui l'as faite? Personne ici s'est mal aimé pour s'emparer pendant que d'autres participent à la mise en scène et retravaillent le texte. Avec qui au moment de la boisson? Le Seigneur et les gardes. Pas les gardes. Le Seigneur et les pèlerins. Et la sorcière. Voilà. Et là, notre problème, il est résolu. À la limite, on va rendre l'intérêt plus important en n'ayant que le roi. Que le Seigneur qui, lui, va se réveiller. Et donc, toute l'attention... spectateur, faut penser à ça aussi. Hein. Toute l'attention du spectateur, elle doit être portée sur le roi. Sur le Seigneur. Le Seigneur. J'y arriverai jamais. À chaque fois que je vous dis roi, vous penserez Seigneur, d'accord? Toute l'attention va être portée sur le Seigneur, puisqu'il n'y a plus que lui. Voilà. Nous avons aussi besoin d'un faucon dans la réalisation. Demande pas mal d'efforts et d'astuces. Certains font preuve de beaucoup d'ingéniosité. Suivante arrive le moment crucial de la distribution des rôles. Après, il y a Sylvestre, c'est le cuisinier. C'est celui qui a les cheveux gris et rouge. Il n'y a que Benoît pour Sylvestre. Et vous? Vous tiendrez votre marionnette à la fin? Vous ne devez pas parler comme ça, ici, là. Votre voix. Oui, tu peux faire une voix. Mais tu ne dois pas tenir la marionnette comme ça, comme je fais maintenant. Comment tu dois la tenir? Placez-moi là. Vous êtes en danger. Moi seul, je peux vous sauver. Ceux qui ont choisi un rôle peuvent apprendre tous la même phrase, un petit peu. Comme là, on a appris une phrase de la sorcière. Je vais donner la réplique. Qu'est-ce que c'est que ce vacarme? Vous êtes en grand danger. On recommence. Moi seul, je peux vous sauver. On recommence. Qu'est-ce que c'est que ce vacarme? Vous êtes en grand danger. Personne. Vous. Je. Il faut parfois faire beaucoup d'essais. Moi seul, pour vous sauver. Et alors, qu'est-ce que c'est que ce vacarme? Allons, madame, qu'est-ce que c'est que ce vacarme? Vous êtes en grand danger. Moi seul peux vous sauver. Il y a deux personnes qu'on a entendues, c'est elle et elle. Parce qu'elles ont parlé. Je n'ai rien entendu. Rien. Pas bon. Alors, est-ce que tous les quatre, vous voulez abandonner ou est-ce que vous voulez réessayer en parlant vraiment le plus fort que vous pouvez? Vous deux, vous pouvez le faire. Toi, tu veux réessayer en parlant le plus fort que tu peux. Alors, qu'est-ce que c'est que ce vacarme? Vous êtes en grand danger. Moi seul peux vous sauver.
Enfin, on commence les premières répétitions. On commence par le début. Hein. Alors, on commence par le début et on termine par la fin. J'en ai marre de ces pèlerins et de ces moines. Ce ne sont que des fainéants et des vagabonds qui profitent de ma terre. Garde, filez sur les crêtes et attrapez-moi le premier pèlerin qui passe. Sur le chemin des crêtes, arrive un pèlerin en chantant. C'est un pèlerin qui a perdu son chemin, qui crie sur les coteaux qui le lui rendra. C'est les gardes du Seigneur qui font que des malheurs, qui sautent sur le pèlerin, moi jamais perdu. Les débuts sont un peu difficiles, mais nous sommes bien conseillés. Quelqu'un, si les gardes disent des choses méchamment, lui, il aura envie de répondre méchamment aussi. Si on lui dit « je vais t'arrêter », oui, bon, tu vas m'arrêter. Et puis ça s'arrête là, ça s'arrête. La lettre arrive chez les moines. Voilà, décidons, reçois la lettre. Mes frères, venez, une lettre est arrivée. Il lit la lettre. Quoi ? Quoi ? Envolé, il arrive, prisonnier. Le Seigneur a enlevé de l'œil. Il lui met donc le retour pour tous ceux qui traverseront son domaine. Mon Dieu, quelle catastrophe! Quelle catastrophe! Il ne doit pas être à l'aise, l'aise. Tout à coup, on entend une voix. Miaou! Miaou! Au secours, le faucon est à mes trousses. Viens, mon petit dîner! Viens ici que je t'attrape! Les moines essaient d'attraper le faucon, mais en vain. Et finalement, se font fuir. Manqué ! Hein ? Encore manqué ! Zut ! Et flûte ! Le spectacle est presque prêt, mais il nous faut encore beaucoup répéter. En ce temps-là, notre bon village de Saint-Fausse était bien différent de celui d'aujourd'hui. Un seigneur impitoyable et orgueilleux faisait régner ses lois sur les coteaux, et terroriser les habitants, ainsi que les rares pèlerins qui s'aventuraient dans ces contrées. J'en ai marre de ces pèlerins et de ces moines. Ce ne sont que des fainéants et des vagabonds qui profitent de mes terres. Garde ! Oui, chef ! Filez sur les crêtes et attrapez-moi le premier pèlerin qui passe. Oui, chef ! Mais qu'ai-je fait ? Vous avez osé traverser les terres du Seigneur des coureurs. Mais ce n'est pas un crime ! Lâchez-moi, vandale, tête ferraille, chicamole, crétin, femme d'ivrogne ! Ivrognez-nous ? Tiens, prends ça ! Ouvre ! Purée ! Aïe ! Mets-toi dessus ! Il la somme et l'amène au château. Ah, enfin, mon petit cœur, te revoilà ! Lâchez-moi ce château de suite, que je vous transforme en grenouille. Non, ne les finis pas, tu vas sauver les serres du faucon. Ah bon, voilà qui change tout. J'ai donc une lettre envers vous. Les moines sont en groupe et chuchotent. Le seigneur, le château, la sorcière, mais bien sûr. Et c'est enfin la répétition générale avec les dernières mises au point avant le grand jour.